Il y a une autre histoire encore. À l'époque, sur la colonie, mais il était divisé en deux. Il y a deux Français qui étaient dans cette situation. Hein? En bas, c'est plus un Français qui était relé Milo. L'autre bord ici, c'était un Français qui était relé Sans Souci. Ah. Mais Sans Souci, puis bon monde passait Milo parce qu'il était fait une déclaration devant le deuxième chef français. Hein? Il dit pour qui ça qu'il n'a fait peuple à travailler sans arrêter comme ça. Puis qu'il y a un blanc, c'est même coulé à Saint-Bay. Puis qu'il y a un noir, c'est même coulé à Saint-Bay. Mais Sans Souci, tu es goumé avec le deuxième chef français pour Haïtien. Mais Milo, il était fait peuple à passer dans l'esclavage. Là, la guerre d'indépendance éclatée, et puis Milo et Sans Souci, et Milo dit, peuple a massacré Yotouye, mais Sans Souci, c'était une belle maison là, à l'autre bois qui était faite en bois, peint, la fini à Jules ou Jules Assouli. Alors c'est la qualité, mais c'est Dessalines même. Là, il vient bien la guerre d'indépendance, ça a été proposé Christophe, il dit Christophe, qu'on s'amène, lorsque nous venons de l'indépendance, reste la guerre d'indépendance là, qui côté nous parle déposer comme Pierre. Sans Souci, il répond Sans Souci. Et il répond Christophe. Il dit que comme ça, c'est notre terrain pour les Sans Souci. Mais laisse à parler à pas de combattre. Alors, laisse à venir un an et demi après la guerre d'indépendance. Christophe allait demander Sans Souci acheter terrain. Sans Souci dit non, il n'y a pas qu'à vendre. Et il a trouvé un caddie là-dedans. Mais pendant ce temps-là, Sans Souci, et Christophe même qui ça le fait, là, il est Sans Souci pas vendre le terrain. Hein? Et puis, il fait une réunion en secret avec 14 travailleurs, appelé Louchette Picoua. Pendant que Sans Souci a dormi, il est allé, il a fouillé un grand carré piège. Vous comprenez? Alors, on connaît Neglonté, c'est Ségoul. Vous comprenez? Il a fait vite, Sans Souci, il n'a pas connu si piège à fouiller. Il a mis un saut de bois qui est léger, il a mis terre, il a mis paille, il a mis terre. La nuit, même la pluie vient tomber, piège à venir. Et Sans Souci, même qui par contre, si piège à là, un jour samedi, il est venu. Il monte cheval là, fait tout pour terrain, il est tombé. Dans le piège, il mourit. Ni cheval là, mourit. Là, il dit Sans Souci. Et là, il dit Christophe Sans Souci mourit. Il fait comme s'il prend peine Sans Souci, il a fait l'enterrement Sans Souci. Là, il est. Oui. Après ça, Christophe vini, il réunit tous les habitants environ dans le nord, dans la Coussa. Il dit Gomezon, là, il fait dans la Coussa. Ça peut arrêter sur l'histoire du pays, ça permet d'avoir une relation avec le pays étranger. N'a pas accueilli un pile visiteur. Ils font une chaîne de 250 000 personnes apparaître dans la Côte-Palais, passer au Rocha, mes amis. Là, il fait travail au Rocha pendant 12 mois, il campe dans le Rocha. Il fait travail Sablatou pendant 12 mois, il campe dans le Sablatou. Il n'y a pas de bassin. Puis, il y a 4 têtes d'eau là, puis il travaille. Après ça, il finit de faire tout le travail. Ça, il part en Sénégal. Là, il recommande une dame architecture qui est Marie Wallop. Deuxième architecture, c'est Jean-Étienne Barré. Troisième, c'est Henri Lafayette. C'est pour cette raison qu'on appelle la citadelle Lafayette, c'est le maître de la montagne, mais ils ont pris son étude en France. Ok? Bon, on va voir côté qui sont étudiés et là. Ça, à l'époque, le palais Sans Souci était divisé en deux départements. Là-bas, c'est le palais de la reine. Ici, c'est le palais du roi. Alors, mais comment que Christophe te fait mourir? C'était l'année 15 août, fête Notre-Dame du Cap. Christophe te demandé madame lui pour y aller une grande visite, limonade, au loin village Milo. Et madame te dit, pour qui ça qu'il parle au Cap, c'est fait patronal. Mais l'œuvre madame était assistée sur mon Cap, là, il vient fâcher, tellement que vous-même, c'est l'année Christophe l'a mis en temps. Pendant que Christophe parti dans le chemin de Milo bien loin, là, il veut essayer un fantôme qui chita sur un bourri, qui a un grand cheveux, batté jouk dans le dos. Et puis pendant ici tellement ouais visage dame Nambelle, il descend cheval là, puis il va là avec lui. Pendant que la parole de dame, il n'y a pas jamais répondu du tout. Et puis Christophe, son aide mystique, il voit ça, il regarde Milo, puis il voit si pas de monde à venir. Là, il fait ça, il vire facile, le fantôme n'en disparaît. Alors Christophe continue pour limonade. Pendant qu'il arrive dans l'église, il y a un prêtre qui reconnaît Ibrahim, qui célèbre la messe dans l'église limonade. Il y a un deuxième prêtre qui reconnaît Jean de Dieu Gonzalez. Alors, il a assassiné Jean de Dieu Gonzalez pour une raison quelconque. Mais personne ne parle contre pour qui ça a été assassiné, Jean-Didier Gonzalez. Mais c'était Conneille qui a célébré Messe-là. Le Christophe Gardé a fait 45 minutes depuis Del Yoshita, mais ça n'a pas jamais commencé. Chaque fois après la parole sur le tel, là, il y a ces fantômes qui paraît devant. Quand il y a Christophe par fantôme dans l'église, c'est prêtre-là qui veulent. Et puis il vient font coller à l'allée, puis gifle le prêtre-là. Et puis fantôme n'a même touché Christophe, il est parti, il est tombé, il est paralysé. Tête cassée dans l'église monade. Ah. Après des 45 minutes, qui sortait de mon petit palais, qui est le palais Bellevue,
Je transporte Christophe à Limonade, dans un petit palais que le palais Bellevue. Mm-hmm. Pendant que je transporte, après 45 minutes encore, et que je peux parler madame, non, madame envoie 10 soldats, 10 officiers chercher Christophe Limonade. Mais avant que Christophe soit paralysé, il y a une bataille à Pétion et Rigo, 12 km cyber. Vous pouvez pas reprendre, Pétion était un peu soldat Christophe. Mais quand Christophe retourne dans le nord, Rigo sort des rages qui prennent tout le monde, là, tu étais jeune, il massacre. Pendant ce temps-là, Christophe était un docteur anglais qui est le steward. Christophe veut le docteur puis faire massage pour lui. Pendant le docteur qui fait massage là, Christophe vient tomber trois fois. Là même, docteur allait parler, madame Nandi, puisque Christophe vient tomber trois fois, il n'a pas ressuscité encore. Mais il y a un colonel Paulin, jusqu'à temps que Christophe ait dégagé le colonel Paulin, quand le colonel te dit les épaulettes, je les ai gagnées sur des champs de bataille. Parce qu'on ne pouvait mieux enlever mon épaulette. En ça fait, et Christophe ait dégagé le colonel Paulin. Parce que il m'a d'enterrer mes colonels Paulin, puisque Christophe, son beau garçon, il fait commandement bien. Là, il est paralysé, il n'a pas qu'à dégager colonel Paulin. Il veut les madame, non, puis tuer madame, non. Colonel Paulin, même fait là, mais il a madame très sécurisé avec des gros amis, il n'a pas sorti. Il a gardé 45 minutes, il n'a madame pas venu joindre ici à là, dans sa salle ici à là. Il réfléchit, il a les pistolets, lui, il tire des pieds avec des balles, ok, 8 octobre 1820. 8 octobre 1820. Pendant ce temps-là, là même, les portes ont été fermées. Il fils et gros dans sa là. Il voit son rigole sans capouler sous cabane là. Défoncer pour mettre la main qui sont pas rentrés. La même, il y a un cadavre transporté dans le deuxième étage là. Il n'y a pas même pour le cadavre qui sort, même pour le soldat qui sont trahi. Quand il y a pour le faire réunion avec les soldats, il fait un cadeau de gros sommes l'argent. Il fait un cadeau de gros sommes l'argent. Là même, il y a un cadavre, il y a un gros pays. Il y a l'intérêt de l'endroit secret sur une citadelle là. Ça fait ça, c'est pour ne pas faire le cadavre là passer par. Là, ça vient d'un an et demi, le peuple a travaillé en bois, il a planté, et puis il vient découvrir ce cadavre-là, il a enlevé le transporter, ils vont pile mortier dans la couche citadelle-là. Mais quand Christophe est mort, madame Tégen Pérez était père pour un an et demi, puis on va venir attaquer. Il vient passer 3 mois encore avec Pérez dans le palais. Après 3 mois, il partit Kiba, il passait 3 mois à Kiba, là, en Italie, mais il a 3 enfants, et le prince Victor a métis Athénaïs. Il était assassiné Prince Victor pour une raison quelconque. Mais madame est venue partie avec Amétis et Athénaïs en Italie. Ah. Bon.